Les studios Hématome présentent It's Time to Shine. Il y a certainement des fans de jeux vidéo parmi vous, alors si vous ne la connaissez pas encore, que diriez-vous de découvrir l'histoire de Nintendo ? Une histoire qui remonte au 19e siècle, dont voici une brève description des étapes clés de son évolution. L'étape 1, fondation de Nintendo. La société a été fondée le 23 septembre 1889 à Kyoto, au Japon, par Fusajiro Yamauchi. À ses débuts, Nintendo produisait des cartes à jouer appelées Hanafuda, qui étaient donc populaires au Japon à l'époque. Des cartes à jouer, vous imaginez vraiment ça ? Nintendo, quand on pense à Nintendo aujourd'hui ? Mais justement, continuons avec toutes ces étapes. Étape numéro 2, diversification des activités. Au fil des décennies, Nintendo a élargi ses activités pour inclure divers produits, notamment des jouets, des cabines d'arcade et des jeux de société, tout en continuant les jeux de cartes. On n'oublie pas par quoi on a commencé. Étape numéro 4, entrée dans l'industrie des jeux vidéo. Dans les années 1970, Nintendo s'est aventuré dans l'industrie émergente des jeux vidéo. La société a donc créé des jeux d'arcade à succès tels que Donkey Kong ou encore Mario. Étape numéro 4, lancement de consoles de jeux. En 1983, Nintendo a lancé la Nintendo Entertainment System, la fameuse NES, qui a donc contribué à revitaliser l'industrie du jeu vidéo après la crise de 1983. La NES a introduit des franchises emblématiques telles que The Legend of Zelda ou encore Super Mario Bros. Étape numéro 5, évolution des consoles. Nintendo a continué à innover avec ses consoles comme la Super Nintendo Entertainment System, donc la Super NES, la Nintendo 64, la GameCube, la Wii, la Wii U et la Nintendo Switch. Chacune de ces consoles a apporté des fonctionnalités uniques et a contribué à forger l'identité de Nintendo dans le monde du jeu vidéo. Étape numéro 6, franchise célèbre. Au fil des années, Nintendo a créé certaines des franchises les plus célèbres de l'industrie du jeu vidéo, notamment Mario et Zelda, dont on a déjà parlé, mais également Pokémon ou Metroid et bien d'autres encore. L'étape numéro 7, et sans transition bien sûr, celle vers les jeux mobiles. Nintendo a également donc étendu son influence dans l'espace des jeux mobiles avec des titres tels que Super Mario Run, Fire Emblem Heroes et Animal Crossing. Pocketcom. Avec une histoire riche et variée, Nintendo continue d'être un acteur majeur de l'industrie du jeu vidéo, captivant les joueurs du monde entier avec ses créations innovantes et ses franchises emblématiques. Maintenant, vous en savez assez pour briller à la prochaine soirée jeux vidéo à la maison.